va enfin pouvoir retourner dans le cortex. Les réponses à tes questions, elles sont à l'intérieur. C'est qui? Laura Gauthier, la nouvelle surdouée qui a rejoint notre classe. Non, mais pour qui elle se prend, Tu veux vraiment demander de l'aide à Laura? C'est quoi ça? Elita, je viens de te transférer le virus. Ok, je te dis quand je l'ai. T'es sûr qu'il n'y a aucun risque, Jérémy? Ben, c'est un virus blanc inactif. Juste pour voir s'il remonte jusqu'au cœur du système. Mais s'il abîmait ou modifiait le système, on pourrait pas revenir en arrière. Oui, mais si on le teste pas sur Lyoko, on le fait où? Le supercalculateur du cortex est même que celui de Lyoko. T'inquiète pas. Dis-toi plutôt que si ça marche, on active le virus, on le met dans le cœur du cortex et alors... Plus de cortex? Ça veut dire plus d'accès au réseau pour Xana. Exactement. Je l'ai. Je le réoriente tout de suite vers le cœur. Super. On va voir s'il passe. Ça y est, il est entré. Ok, maintenant ça devrait pas mettre plus de 30 secondes. Le virus n'a pas atteint le cœur du système. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si je savais. Quoi? Sérieux? Tu veux vraiment demander de l'aide à Laura? Ouais, mais... Même si c'est pas très correct, on fait comme la dernière fois. On retourne dans le passé pour qu'elle oublie tout. Effectivement, c'est pas très correct. Ben, qu'est-ce que ça peut faire? On veut juste profiter de son cerveau pour vaincre Xana. C'est pour la bonne cause, non? Si ça nous aide à trouver ce virus, moi ça me va. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas sans elle. Parce que je sais pas ce qui a pas marché. On a fait exactement ce qu'il fallait faire. On a tout vérifié 100 fois. J'ai vraiment besoin d'aide. Moi, je sais vraiment pas quoi lui dire. Moi, je sais. Ouais, mais on va éviter. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous suive au labo. Pas qu'elle pleure. Bah, on a qu'à lui proposer une balade et hop, on la pousse dans le tunnel. T'as raison, et pourquoi pas une séance d'aérobic pour entier? Non, mais ça marchera jamais, y a que les sciences qui m'intéressent. Moi, j'ai une idée. Salut. Hé hey. Là, au moins, je suis sûre qu'elle nous suit. Faut savoir les prendre par les sentiments, c'est génial. Un peu limité comme machine, hein. Enfin, comparé à la nôtre. Tiens. Mais c'est quoi ici? Un centre de la NASA? Une sorte de laboratoire de physique des particules. En mieux. Mais je comprends pas. Vous êtes qui? De simples élèves, comme toi. Tu t'y connais en virus? Si je m'y connais en virus, on va dire que oui. Ok, on a un problème. Tu nous aides à le résoudre et on t'explique tout. Pourquoi on est ici et comment?
Ça te va? Montre-moi. D'accord, c'est pas un virus classique, hein. Ça c'est sûr. Ni un virus de boot, ni un macrovirus. Notre système est ultra complexe. Le seul virus qui peut marcher, c'est un... Un virus vert. Exactement. Ok, alors faudrait décortiquer la structure, les arborescences, reconfigurer l'ensemble. Je peux? Jérémy, je pourrais pas oublier tout ça. Ce labo, le supercalculateur, même avec les meilleures études du monde, j'aurais jamais un tel matos. C'est trop beau. On finit le travail et on en reparle après, d'accord? Hop hop hop, fin journée, on lave les copies. Quoi? Ça y est? Ça marche. Le virus blanc atteint le cœur de Lyoko. Laura a créé un virus de type batch. Un virus primitif, crypté et polymorphe. Ça a l'air carrément génial, mais c'est quoi en fait? Un virus lent. Son pouvoir infectant est très faible. Mais il a été conçu sur mesure pour pénétrer le système. Et rien ne peut l'arrêter. Alors, vous avez réussi là. C'est fini. Vous allez remonter dans le temps, c'est ça? Je lui ai rien dit, moi. Il y a des lignes de colle qui trompent pas. Hein. J'ai tout le loisir de les étudier. C'est pas possible. T'étais avec moi, t'as fait que travailler sur le virus. Non, mais je vais faire deux choses en même temps. De toute façon, dans quelques instants, t'auras tout oublié. Qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah tu viens, on retourne là-haut. Hein? De quoi tu parles? Non, rien, laisse tomber. C'est bon, j'ai tout oublié. Au fait, vous avez le virus, c'est bon? Ouais. Et on peut partir tout de suite l'implanter sur le cortex. C'est que il me reste encore un TD, moi. Bon, je vous laisse à traverser de la mer numérique et je vous rejoins après, ok? Je viens de terminer l'activation du virus. En théorie, il est maintenant extrêmement dangereux. En théorie? Ouais. J'aurais bien voulu vérifier ce que Laura a fait quand même. Le virus est composé de sous-programmes cryptés. Et Laura a travaillé tellement vite que j'ai pas pu noter tous les systèmes qu'elle a utilisés. Non mais attends, Jérémy, tu plaisantes? T'as pas pu tout noter? Tu veux dire que Laura est allée trop vite pour toi? Bah oui, mais je travaillais à côté aussi. Ouais, c'est ça. Bon, je propose qu'on vote pour remplacer Jérémy par Laura. C'est clair qu'elle est beaucoup plus intelligente que lui. Odd, la ferme. Odd, la ferme. En clair, tu n'as pas pu vérifier son travail. Oui. Je sais juste que ça marche parce qu'on l'a testé sur Lyoko. Bah alors, c'est pas la peine de te prendre la tête, Einstein. On sait qu'on a un virus qui marche et on a un cortex à détruire. Moi, perso, je vois pas où est le problème. Thank you.
Désolé, je suis un peu pressé. Tu vas au labo? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai eu comme des visions et t'étais dedans. On était tous dans un labo, moi, toi et tes potes. Et c'est complètement idiot, je sais même pas pourquoi je te parle de non, ça. Non, vas-y, continue. Des visions, tu dis? Ouais, comme des rêves. C'est super rapide, c'est presque comme un vieux souvenir. Je viens de prendre pour une dingue, là. Je suis désolée. Excuse-moi. Je viens d'avoir William au téléphone. Et alors, qu'est-ce qu'il fabrique? On l'attend. Il a croisé Laura. Elle a des souvenirs du labo. Quoi? Mais c'est pas possible! Comment elle peut avoir des souvenirs? J'en sais rien. C'est la première fois que le retour dans le passé ne marche pas. Oh. Et tu sais quel genre de souvenirs elle a? Rien de précis. Mais elle a parlé du labo. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle pense avoir rêvé ou elle en est vraiment sûre? J'en sais rien. William a fait l'innocent, mais je suis pas sûr que ça suffise. Jérémy, transfère-moi. Il va falloir qu'on revoie tout ensemble. Quoi? Mais non, on vient juste d'arriver. Non, faut que tu restes. On va avoir besoin de toi. On a le virus à guitare, c'est ça le plus important. Et s'il y a un problème avec le retour dans le passé, ça peut remettre en cause toute l'opération. Aïta a raison. Désolé, je la ramène. On vous tient au courant. Non, William, désolé, faut que tu restes. Faut que tu surveilles Laura le temps qu'on comprenne. C'est parti. On va vérifier toute la procédure étape par étape. Ok. Toujours sur ses papates, ouais. On avance, Yumi. Jérémy, viens voir. Tu vois cette partie? C'est un des sous-programmes cryptés du virus que tu retrouves ici, dans le cœur de Lyoko. C'est pas possible. Quand on a testé le virus sur Lyoko, il était inactif. Il devait pas toucher le système. C'est pourtant ce qui est arrivé. C'est un des programmes cryptés par Laura. Et je sais pas du tout ce qu'il contient. C'est pas difficile à deviner, c'est ça notre problème. Non, non, non. Rappelle-toi. Laura avait deviné ce qu'on allait faire. Elle a modifié le système pour empêcher le retour dans le passé d'agir sur elle. Mais comment j'ai pu laisser faire ça? Oui, William. Hein? Mais je sais pas, fais n'importe quoi. Empêche-la juste de venir ici. Thank you.
Transfert. C'était trop beau. Profitons-en. Iris va s'ouvrir. Aïe, fais gaffe. C'est pas vrai. Jérémy, envoie mon overboard. T'auras jamais le temps. Éjecte-toi sur le côté. C'est trop loin. J'y arriverai jamais. Jérémy, hâte tombe vers la mer numérique. Dévirtualise-le, vite. Wow, merci Jérémy, c'était moi une. Lys! C'est bon, on y est Jérémy. On te prévient dès qu'on est branché sur le cœur. Jérémy. Super, je prépare le transfert du virus. Tu veux dire notre virus? J'allais pas la frapper quand même. Quelle galère. Je me souviens de tout maintenant. Y compris comment t'as modifié notre système. Vous avez voulu vous débarrasser de moi, j'ai fait que me défendre. C'est bon, Jérémy. C'est parti. Vous allez bientôt le recevoir. Non, on ne reçoit rien du tout. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, on l'a pas. C'est quoi ça? C'est pas normal. C'est comme s'il y avait un pare-feu. Ça s'est arrêté. Oh non. Mon scan détecte des présences étrangères dans le noyau. Vous voyez des trucs autour de vous? Non, rien. Pourquoi? On devrait? Là! Où ça? Je vois rien! J'ai pas rêvé. Je te dis que j'ai vu quelque chose. Écoutez, c'est super bizarre, mais je capte 5 autres présences en plus de vous. Je comprends rien, c'est quoi ça des présences? C'est des monstres? Tu peux être un peu plus précis, s'il te plaît? Je cherche là. Tu crois que c'est facile? On les attend. T'as entendu cette fois? Ouais. Et j'aime pas ça du tout. Sautez pieds! Quelque chose, ça ressemble à quoi? Oh non, il y en a d'autres!
Il se rapproche. Complet. Le virus n'a même pas atteint le programme principal et en... Vous êtes parti du principe que le supercalculateur du Cortex était une réplique exacte du vôtre. Mais c'est pas le cas. Quoi? Elle a raison. Mais c'est sûr. Même si Volteco a servi de modèle, le système a été entièrement repensé. Mais à la preuve, les pare-feux qui ont bloqué le virus ou les nouvelles créatures que vous avez jamais vues. En gros, si on veut viruser le Cortex, faudrait tout reprendre à zéro. Exactement. Enfin, je suis dispo, hein, si vous voulez. Tu veux dire que si on fait un nouveau retour dans le passé, ça n'aura aucun effet? Aucun. Elle a modifié le système au cœur de Loco. Non, on peut pas l'intégrer. Pas après ce qu'elle a fait. Mais on n'a pas le choix, enfin, on t'écoute un peu. On peut la tenir à l'écart. On lui dit minimum, on lui parle pas de nos missions et on l'appelle quand on a besoin. Ouais, je suis d'accord. Mais elle a intérêt de nous obéir au doigt et à l'œil. T'avais raison. On aurait dû se débrouiller tous les deux.